sommes le mardi 22 septembre 2020. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Un plaisir de vous retrouver ce matin pour la deuxième sortie de Pacific Matin. Jacques, comment vous croyez? Bonjour tout le monde. Nous avons midi, on fait l'on souel. On bec. On bec, on souel. Bec, on souel. Hein? C'est, ah, fait l'évangile, oui, c'est pour vous qu'on brille. Même c'est là qui fait la guerre, mal en bas péristine. Je vais aller de tous côtés pour me connaître, pour m'apprendre. Ah, je suis un gros croyant. Je suis catholique. Je suis catholique, apostolique, très fidèle. Bon, avant de dire ça hier, un gros ami, c'est Père Max de Lamont, curé de Mayotte. Oui, et c'est nouveau qu'on y a? Non, j'ai fêté 20 ans de sacerdoce hier. Yeah. Okay. 20 ans depuis que. Dis quelque chose dans l'église la début de passé. Je suis au coin de qui ça? Oui, oui. Toujours été là bois. Il toujours été pasteur là. Mais vous dites, monsieur, dans la pastorale des jeunes. Oui, mais. Il y a des chapeaux, il y a des jeunes. Et puis, il y a l'autre père, il y a l'autre père qui curé un peu partout. Et curé paroisse et qui sonne le bail, comme on le dit encore, qu'on aime. Et Alta Grâce et qui vient administrateur. Yes. Et qui prend place Père Max de l'amour. Okay. Père Max de l'amour. Il prend une promotion dans l'église. Oui, son gros père, papa. Non, mais Père a promotion tout, mais qui dit. Yes. Et Père qui curie l'église Alta Grâce là. Oui, oh, monsieur, c'est. Bonjour, Moïse. Oui, bonjour tout le monde. Oui, et pendant que Alta Grâce là, Jacques, ou pas, j'aime dire, ben ça non, ça fait chaque fois nous passer devant Alta Grâce là. Oh, monsieur. Je me chaque les mounes. Mais c'est pas, j'aime puis ça fait qu'on couche sur sa coupe. Non, mais faut que nous disions ça fait nous tout le monde. Parce que je suis bon catholique, apostolique, l'aime passe devant. L'aime passe devant l'église, devant le temple catholique. Je dis bon Dieu, je dis Saint. Petit tour dans la rue, ouvrir Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint. Et même barre avec M. Capman, de mettre Cafou, Barreau, Espagne. Même Pépé Blanc, petit tour. Yes. Chaque monde fait le temps. T'as couru où, Barreau, Barreau. Même laisser dans le bouchon, on vrai catholique. Yes. C'est à couru où, nous-mêmes, bon hypocrite. Mais putain, les femmes, bon, nous, Barreau. Non. Qui l'aime casser maintenant, mais les gars. On partit avec Tigueux. Pas qu'il aime casser maintenant, mais Dieu. On a le conseil, Barreau. Avant de venir dans la question électorale, la chapitre sécurité, d'abord, Jacques Amboise, les cas de kidnapping qui recommencer dans la région métropolitaine Port-au-Prince-là. Oui. K.L. Edmond Jean-Baptiste, animatrice de SOS et Solitude sur Radio-Télévision Caraïbe, que yo a été enlevé et pendant le week-end. Heureusement pour famille, avec tous les collaborateurs proches, li yo, li jwenn libération ni hier soir. Et selon information, yo, ravisseur, yo te mande yon grosse et somme d'argent et kidnapping sa yo, sous le maître Jacques Amboise, yo fait dans Delma 37, Delma 35 et Nazon, et c'est espace sa yo qui est très prudent pour un peu le monde. Fait. Et attention, il y a l'autre information qui est importante dans le dossier, ça, c'est que moun qui te enlevé yo, t'a semblé yo te gagné yon uniforme qui semblait avec uniforme police nationale d'Haïti sou yo, c'est à des moun qui t'a et prêtez-vous comme agent de la PNH qui est à commettre les actes là, Jacques Amboise. Bon, de toute façon, et d'avoir dit tout est bien, qui finit bien, et kidnapper un monde, il n'y a rien de bien. Oui, et non, c'est très, mes seuls bagailles, et famille K.L. Jouni, à tout clan, pas tout long, je jouni bien vite, parce que ça va mettre les familles et K.L. dans une situation très, très, très difficile. Et heureusement que ça c'est vite fait. Mais maintenant, la police et l'autorité dans le pays, il faut que c'est là tout go épée d'Amoclès. Quelque part, pendant que nous dit que tout va en forme, sécurité, c'est là. Et puis de temps en temps, yo bord de toi tape sous domaine pour dire que maintenant qu'il y a une situation qui n'y est, grand bouton. Nous capaiser l'un voulait, jeune voulait, monter nous descendre et n'a fait ça nous voulait pour nous faire. Monsieur Cédéloi. Oui, et nous parlons car depuis les États-Unis prendre note de la nomination par arrêté des 9 membres formant le nouveau Conseil électoral provisoire. Néanmoins, ils disent attendre plus vite la publication du décret loi électorale ainsi que le calendrier en vue des prochaines élections législatives. Une avalanche de réactions au sein de la classe politique pour dénoncer la mise en place du nouveau CEP par l'exécutif. Ces acteurs politiques dénoncent la violation de la Constitution par le président de la République. Et puis, et célébration ce lundi 21 septembre de la Journée internationale de la paix autour du thème « Façonner la paix ensemble ».
L'occasion pour les dirigeants des Nations Unies d'encourager la culture de la paix et du respect des droits humains dans le monde. Oui, et puis parlons du Conseil électoral provisoire Moïse Saint-Éloi. Il faut dire que, eh bien, selon une note importante, la signature du chef du protocole du Palais National, Yves Mazil, ambassadeur Yves Mazil, eh bien, la cérémonie d'investiture aura lieu cet après-midi à partir de 14h ou encore 2h PM au Palais National. Mais apparemment, c'est enfin parce que la prestation de serment, parce qu'on est membre du Conseil électoral. Fait retard, prêter serment. Et parce que c'est tard. Il n'y a pas le prêter serment. Il n'y a pas le prêter serment. Matin, 10h, dans le Palais de justice. Mais il y a un monsieur avocat ou tout qui dit 10h, il y a dans le Palais de justice. Ça veut dire ça. On est, les gars, pour le manifester. Non, si, pas prêter, si, pas prêter. Mais de toute façon, et cérémonie de prestation de serment fixée, parce que l'homme membre du conseil électoral, il faut prêter serment d'abord dans la cour de cassation, et bien ensuite, on fait installation. Donc, quatre pelouses, on a suivi pendant la journée pour nous garder. Comment ça va dérouler dans le pays? Oui, et puis, bonne nouvelle là, c'est grève employée et l'hôpital général qui campait, il y a eu une avec le ministère de la Santé publique. À parler de ça. Et puis, dans le sport, il y a Naomi Osaka qui va se voir, nous y est dans le pays d'Haïti, Jacques Abouès. Bon, oui, c'est une visite surprise. Surprise. Et il y a quelqu'un qui dit. Comment une visite surprise Non, parce qu'on est. Mais depuis non, dimanche, moi, tout le monde a parlé de visite. Non, personne ne pas connaît. L'on gusta, on s'en va le dépasser. Ah, ok, mais depuis le dimanche, on tout le monde à tout côté. On est plusieurs fois, c'est comme si Haïti pas dans le calendrier. De toute façon, Naomi Osaka a gagné l'école de tennis, fondation Papal, une fondation dans Jacques Mel. Ok. Et a c'est peut-être quoi, c'est ça qui est mon nom. Petit espoir. Petit espoir. On dit envie vivre. Il y a un petit monde, peut-être qu'il y a 4-5 ans, qui a joué tennis avec Naomi. Oui, il y a joué tennis avec. Et mon cher, ce petit-là, pour l'âge, la tombe la base, ça veut dire que ce n'était qu'une possibilité. Bon, là, je pense qu'il y a un bon endroit. Oui. Et parce que Naomi a 6 ans dans le poche pour qu'il permette que nous prenions un petit à charge. Mm-hmm. Et peut-être dans 12-13 ans, il y a Naomi. En tout cas, il n'a pas invité maintenant, il n'a pas gagné pour parler probablement avec l'ancien sénateur Jean-Charles Moïse et professeur Sonnet Saint-Louis. Avec lui, on va aborder le dossier du référendum constitutionnel, sans oublier cet ensemble de partis politiques qui a signé cette note pour dénoncer la mise sous pied du Conseil électoral et provisoire et au biais de Jacques. Ce matin, Moïse, crise haïtienne, le bon moment. Le bon moment. Vous dites le bon moment de payer ça. En tout cas, arrêtez avec Napton tout de suite. C'est 11 minutes. Rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement de cette édition. Une édition qui entre chez vous grâce au support de toute l'équipe rédaction. Nicolas Debréus et Mario Sylvain, réalisation. Olivier Bouchereau, micro, Jacques Amboise, Moïse Saint-Éloi.
Et Jean Fouchard, oui, j'ai commencé à y faire. Et nous là, nous avons un peu de métier qui est en fait. Il y a Nabdoubat, Nabdongoué. On va conclure ça. Hein? Mm-hmm. Et ça, là, on a dit Nabdongoué, ça dit. Mm-hmm. Vous avez dit, par contre, causer ça. Monsieur Boise, et mon voisin, j'ai dit ça beaucoup. Oui, 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 c'est de là. Mm. Non, non, l'autre bain, je ne t'ai pas parlé, oui, et je me dit nous ça, monsieur. Pendant que je dis comment nous y a, et gonz ami qui racontait mon histoire, a fait bio l'état, qu'on a monsieur, a fait service là, ça va rien, même. Mm. Comme on comprend, on est voilà, bio l'état, tout ça, on a besoin fait ici, qu'on y a, n'importe moindre papier, il faut résider, on perd une journée pour faire. Mm. Mais ça a été toujours comme ça? Hein? Ça a été toujours comme ça. Mais nous n'avons pas qu'un bel comme ça. C'est pas aujourd'hui, il y a comme ça. Mais nous n'avons pas qu'un bel comme ça. Mais c'est pas qu'un bel comme ça. Parce que Zamia, pour une contravention, Zamia, pour une contravention, Jacques, la DGI, pour lui payer contravention et puis pour la chercher et licence dans le commissariat, Zamia fait journée. Et tout le monde apprend licence sur lui, tout le monde apprend licence alors que lui-même papier DGI il l'amène. Il n'y a pas qu'à jeune service, je pense que le bureau de l'État, c'est pareil pour. Si il y a une réforme qui a fait dans l'administration publique, là, forcément, il y a travaillé tout parce qu'il a touché pour ça. En tout cas, bon. D'abord, qu'il est. Bon, on va se dire. On va se dire. Je ne vais pas commenter qui sont ça. Et nous allons laisser et parler avec plusieurs invités nous de très tôt et matin pour nous capables de regarder comment la situation est. Et c'est cette question de et constitution ou encore de mission du Conseil électoral provisoire qui a quimbé actualité à Jacques Amboise. Bon, oui, et là, nous parlons de l'établissement de contact. Il faut dire que nous sommes supposés que Moïse Jean-Charles et Martin, et à partir de 7h15, bon, nous tablons premier contact avec Moïse Jean-Charles qui dit que nous avons une réunion express, la brûlée nous a pris. Nous souhaitons que nous parlions avec Moïse et tout à l'heure. Mais en attendant, il faut que nous continuions. Nous pourrons établir contact avec Maître Sounet. Et avec M. Sounet, nous pourrons poser les problèmes qui passaient là, nouvelle constitution, et nouvelle constitution, CIP, et nous parlons de technique. Nous parlons de technique avec M. Sounet. Mais M. Sounet, c'est lui, c'est lui qui a annoncé que dans la condition. Et vraiment technique et matin par rapport avec les gens situation lui présenter monsieur qui combouton ton texte et professeur qui combouton ton texte et pour et parler de situation pays par rapport avec régime tête calé mais n'en parle garder lui avec lui mais tout nous pral mettre accent sur et décision que président Jovenel Moïse prend Jovenel Moïse qui gagne tout accord les États-Unis et d'Amérique dans cadre de travail li, disons dans cadre de avancement qui et probablement a pas gagné dans sa gain pour avec mis sur pied de conseil électoral dans pays d'Haïti communication antigène difficile mais entre-temps gagne un tweet ambassade américaine qui est venu et supporté élection et dans tout ça ambassade là a dit clairement et bien y a tant nous gagné un calendrier électoral avec date qui fixé et qui clair pour tout le monde une façon pour nous capables briver directement dans ça qui gagne pour avec causer élection yo Moïse oui n'a pas essayé regarder sinon est capable jeune tweet oui nous jeune pays États-Unis prend note des annonces formation CEPA yon étape important pour organisation élection législative yo n'a pas publication yon décret électoral la calendrier élection yo pour ca remettre sous pied parlement haïtien yon froid moyen technique yo permettre ça donc voilà pour note ça que et ambassade américaine en Haïti mettait dehors il écrit dans trois langues pour faire ça oui. Bon, comme toujours créole français et bien anglais pas qui sait donc anglais ça qui montrer que il y a gain bon gouvernement ou bien exécutif là il gagne appui ambassade américaine pour organisation élection dans pays là d'ailleurs il était dit que tout pays qui choisit démocratie pour fonctionner donc de gagner existence trois pouvoirs et parmi pays ça au Venezuela gagne pas là dedans
bon baron les États-Unis connaît et grand citoyen qui dit que j'ai États-Unis parler dans élection pas nous mais comme pas a fait en nous t'es qu'à font parler non pas à tout mais donc on est que nous pas capable mais en tout cas et c'est appui que bail exécutif là pour organisation élection dans pays a en attendant que nous jeunes mettsonnaire gain citoyen yo dans capitale là qui prononcer sous question et élection en tout nous penser que citoyen yo même tout yo gain mot paio pour yo dit dans organisation élection dans pays a ces résidents de la capitale expriment leur désaccord à la méthode utilisée par l'exécutif pour la nomination des 9 membres du conseil électoral provisoire. Selon eux, le contexte actuel n'est pas favorable à l'organisation des élections dans le pays, c'est pas au principe mettre en avant la recrudescence de l'insécurité et la crise sanitaire qui plonge un peu plus la population dans la précarité. Écoutons ces citoyens. Moun ka rentre tête yo nan KIP Jovenel là, nan KIP Champrel là, c'est bien compté mal calculé parce que peuple là pour bailler tout monde sentence yo. Pa jwenn jodi a la nous-mêmes nous dit au lieu que Jovenel prend décision, il prend arrêter, il prend. Ça que Jovenel va prendre arrêter pour moun belle yo k'ap mouri. Ça que Jovenel va prendre arrêter pour moun cité soleil yo, moun village de Dieu yo, moun belle, moun Delma 6, moun cité soleil, moun élatrie nan pays ya. Pa jwenn jodi a la m pa ka comprendre bagay comme ça. Là on paye gangsterisé ensemble de sécurité insécurité planifiée sur tout territoire pays. Je veux dire la président prend un décret Champrel. Moi pas comprendre bagaille ça. Est-ce que Jovenel ouais que terrain propice que pour la est-ce que je suis avec toute force vive nation hein, pour le monter KIP Champrel li monter ya? Parce que si Jovenel ta font bagaille sérieux moi que va comme ça ta faire. Et là on arrêté présidentiel qui est sous pied pour former un KIP pour faire qui ça? Élection ou bien pour qui est-ce? Même quoi que si nèg pas bien en tête yo. Je pense que l'élection qui a organisé dans le pays, ça. On paye dans l'État, ça. Jovenel Moïse gagne toute chaise sous Doli, Machak La Saline, Massac et Tokyo. On prend instaurer un pouvoir dictatorial dans le pays, hein? Il dit pour le vle moun à l'élection avec. Est-ce que pour ce peuple caribé a fait déjà? Quand il y a une ambassade américaine avec, qui a fait ingérence dans la situation politique pays, hein? Élection complètement impossible. Est-ce que moun qui en opposition a garanti pour aller faire campagne dans la zone? Côté on dit ghetto, est-ce que vous allez faire campagne? Pour faire élection pour moi, c'est pour moi faire élection. Il faut gagner sécurité. Vous avez créé insécurité pour installer la peur dans le pays pour le café mandal. Le peuple a pris la rue pour le manifester à l'bol par rapport avec mauvaises conditions de vie, mauvaise gouvernance. On parle d'élection. L'élection, ça commence. On bouille vidéo pour le faire. Ou mettre mon nom pour aller prendre l'élection pour ne pas procéder au Caribe à pas fait. Par ailleurs, ces citoyens proposent une transition de rupture regroupant tous les partis et organisations politiques de l'opposition autour d'une seule table en vue de la réalisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Ils disent croire qu'un dialogue franc entre tous les secteurs de la vie nationale permettrait au pays de sortir de ce bourbier dans lequel il vit depuis quelque temps. Suivant. Avec Jovenel Moïse, il faut le bail de parle. Donc, les ça, parle qu'on a une transition de rupture dans le pays. Hein? Donc, pour changer l'ordre des choses. Parce que le système, ça, nous bouquons avec elle. Il faut une fin avec elle. Nous parlons de non-transition. Nous parlons de non-transition de rupture. Et toute force vive nation, tout le monde avec tout secteur sans hypocrisie. Parce que Jovenel, il faut que tout acteur, faut que tout secteur accepte pour chuter sur le tableau, pour discuter, puis avoir intérêt Haïti d'abord, intérêt peuple haïtien d'abord, intérêt monde qui n'a mauvaise situation pour nous avancer, pour nous démarrer. Parce que yon pays monsieur tout côté passé balle cap tiré parce que c'est mettre de chaque bloc où rivé monde dans un groupe cap commandé. Mais comment élection ça va le faire là? Comment campagne va le faire? Comment ensemble de monde comme si des ou de pas de leader va supporter va faire ensemble de travail? Comment travail ça va le faire là? Mais monsieur, faut pas baisser tête nous mentir. Parce que je dis là, nous pourquoi pour vous bagarrer ça? Parce que nous pourquoi pour vous bagarrer ça? Parce que il y a trop désordre. Nous pourquoi vous bagarrer ça? La fin du journal qu'on pas de légitimité tout. Parce que ça fait 2021 mandat journal. Fin du journal pas de légitimité pour monter conseil 9. Parce que peuple a perdu confiance non menteur, non bluffeur. Voilà pour les déclarations de ces citoyens de la capitale qui eux aussi se sont prononcés sur la formation du nouveau conseil électoral provisoire. Entre-temps, il y a l'arrêté du 18 septembre nommant un nouveau CEP qui confirme les velléités du président de la République d'installer une véritable dictature dans le pays. C'est ce qu'a déclaré le coordonnateur général du Parti Vérité, Génor Joseph. Estime que le chef de l'État n'a aucun respect pour la constitution du pays alors qu'il avait juré d'appliquer les principes contenus dans la loi mère du pays. Ces déclarations. Jovenel Moïse en foi encore, si le PHTK est allié, ils ont marché sous figure chaque compatriote haïtien et puis ils ont marché sous constitution.
et Jovenel Moïse fait tentative pour bailler un coup d'état terrible et pour établir une dictature féroce en le pays. Et là, pour faire ça, il est passé en papier toute loi pays, il est passé en papier toute déraciner tout principe démocratique que nous voulons pour lui depuis 1987, depuis la constitution de 1987, tout ça nous a comme pilier, comme racine, comme gouvernement, comme acquis démocratique, les marchés sur eux et les marchés sur toute valeur, toute loi qui n'est pas exclusive, qui va nous valeur comme république. Donc, son acte terrible, un acte désastreux. Et une action gouvernementale qui partait qu'à l'autre, une action PHTK pourrie, tête calée, tête chargée. Donc, réaction panne, nous vraiment, vraiment estomaqués. Et il y a vu l'accomplissement de la sommeille, et nous sommes sûrs que tout a été conséquent. Et trouver le dur que Jovenel Moïse a crasé les marchés sur la Constitution. Il a choisi mon lieu parce que l'article 289 de la Constitution dit très clairement comment pour Jovenel Moïse procéder. Et pour le café choyant, qui a pour choisir l'institution, les marchés sur lui. Et article 284 de la Constitution qui dit très clairement toute consultation populaire qui doit être faite, les constitutions absolument et référendum comme activité Jovenel Moïse. Pas respecter la loi, il pas respecter les haïtiens. Et pour qu'on nous comprenne ça, parce que le bois des bananes n'est pas ambassade américaine qui font des respectants terribles à chaque haïtien. Ben, nous allons parler et on y a avec M. Daniel Syriac bien avant. Donc, il voulait, je nous ai un avis technique, mais avant, non, pour politique. Après, on a entré dans la technique, là, parce que il y a un problème de communication, mais je crois que M. Syriac, qui était déjà annoncé qu'il n'a pas avec nous à 8h15, et à comprendre le sacrifice, là. Et M. Syriac, et bonjour, merci un peu pour disponibilité. Où, comment vous allez? Bonjour, Danger, bonjour à tous les coéquipiers dans le studio, bonjour à tous les auditeurs, auditrices, captant des noms. Un grand plaisir. Bon, nous en forme, même si le pays a lui-même est à la destruction, mais comme dirigeant politique, nous sommes obligés de dégager pour nous en forme, pour nous mener une bataille là. Et son on privilège pour nous capables de faire un petit balbouche à coup matin, M. Daniel Syria, canapement de pour capable de faire un petit baisser volume et radio qui beaucoup de là, en façon pour nous capables d'essayer d'empêcher et feedback là. Par... Allô? D'accord. Et donc, par rapport avec les situations qui gagnent dans le pays à la journée jeudi à la OPL, nous décidons et mettez une note d'ailleurs en tête collée avec plusieurs partis politiques pour que nous capables de critiquer et dénoncer et ça qu'a fait et dans le pays à par rapport à mis sur pied de ce nouveau conseil électoral provisoire. Définitivement, c'est une question que nous prenons en amont et en aval. Et pour que dans notre qui sorti là et signataire. C'est également signataire de la déclaration d'engagement du 20 juillet 2020. Parce que nous avons déjà prévoi et qui s'est passé, nous avons appelé suivant et marche politique président Jovenel Moïse qui était appelé préparé là pour déclencher une machine dictatoriale dans le pays. Nous avons déjà pris des dispositions pour que nous-mêmes nous mettions en mesure pour nous stopper. Et de fait, donc c'est ça qu'a fait dans la société, hein, et c'est ça qu'a fait au niveau de classe politique là. Et moi, bien content, nous avons à le promener micro, nous, dans la rue, pour nous faire citoyen au palais. Et on va suivre que même discours que moi-même m'a prononcé là comme. Responsable politique, c'est discours sa population gagne tout. Population dit où il n'y a pas besoin d'élection avec Jovenel Moïse, élection pas possible dans le pays avec Jovenel Moïse, avec CHTK, il y a besoin d'un pouvoir de transition de rupture. Maintenant, pour que nous parler directement sous bagaille, président Jovenel Moïse, l'IFEA, alors moi-même, je vais abstenir pour ne pas parler de formation de conseil électoral. Parce que ça, M. Jovenel fait, ce n'est pas un conseil électoral formé, c'est un lot G9 qui met en place, avec 9 monde, avec 9 malfaiteurs. D'accord? Étant donné que c'est un pouvoir délinquant, un pouvoir de voyous,
qui baille tête Lyon seule mission, c'est détruire le pays et au profit de l'enrichissement illicite de petit groupe et puis en complicité avec yon l'aile de mafia internationale. Et donc yo à l'aise pour yo capable faire un bagage comme ça. Donc c'est pour la première fois dans le pays après 86 où a gagné un président qui est à l'aise pour le prendre constitution, les mettre de côté, les mettre toute loi de côté, et puis les mêmes jours que les former conseil électoral, la mission pour faire référendum dans le pays. Des partis politiques. Une seconde, il y a un bagage que la constitution interdit formellement, et il y a une prérogative que aucun président n'a gagné dans le pays, même s'il est légitime. Et une chose qui est importante, M. Siriac, je dis à la par rapport avec la réalité que nous vivons dans le pays d'Haïti, Jovenel Moïse, président de la République, il prend un paquet de décisions, que ce soit avec, à travers des décrets, gagnés hommes de loi qui montaient dans la radio, dénoncés, demandés pour rentrer décret, etc. Que ce soit des décisions politiques, partis politiques qui prennent la radio, montaient, dénoncés, mais décisions toujours passées. Je dis à la, ça dit nous. Parce que à 2h, dans le palais national, il y a installation, nouveau conseil électoral provisoire. Qui ça nous gagne en termes de moyens pour qu'une bataille par rapport à la décision ça pour le barrer passer? Écoutez, rappelle-toi de la déclaration de l'autre qui disait le génie n'a qu'un siècle, après quoi il faut qu'il dégénère. Jovenel Moïse, de fait, il est arrivé au pouvoir et il a gagné un pouvoir dans la main. Il a gagné un temps pour lui faire tout ça qui n'a pensé et n'a limite capacité, bien entendu. Donc, nous pas baisser tête, nous mentir. Il y en a qui gagnent pouvoir dans le lit, qui pas gagné, qui arrivé crasé parlement, donc qui sur un pouvoir pour col et qui gagne contrôle et toute yon police nationale li instrumentalisé qui a pu faire répression pour lui. Qui a été shooté et élève l'école en uniforme pour lui dans la rue, qui a revendiqué, qui a demandé professeur pour le travail. Donc, il y en a qui arrivé construit un paquet de gang dans le pays, les fédérés, maintenant qu'on y a là, la cherche et mettait tout le monde et sous la pérèse. Donc, il savait les gains mal de manœuvre pour faire un certain nombre de choses. Maintenant, c'est ça qui est expliqué. Maintenant, tant qu'il est plus long que classe politique a les besoins, opposition besoin, donc ensemble de secteurs dans la vie nationale là, qui opposé à régime, là, donc qui opposé et à dérive Jovenel Moïse, pour capable faire échec à lui-même. Mais je dis à la, ça nous gagne dans les noms, et qui ça n'a fait, les l'autre bagaille, que la concertation. La concertation la plus large possible au niveau de la société, c'est la rencontre de tous les politiques de l'opposition. Donc, c'est et la conjugaison et l'échafaudage d'abord des pensées et la construction d'une vraie force réelle autour de yon même projet, de yon même vision qui s'est le plus vite possible. Il y a un accord politique global, tant que citoyens ont demandé qui voulaient mener le pays dans une transition de rupture, et accord politique global, ça doit gagner. Il y a un accord là-dedans et qui a permis de nous former un pouvoir de transition qui a gagné pour remplacer. Et régime PHTK maintenant tombé avant longtemps pour remplacer président Jovenel Moïse Capitaine pour quitter pouvoir. Mais bien entendu, nous pas peut-être nous menti. Et nous connaît que c'est pas comme ça Jovenel Moïse a quitté pouvoir. Gagné trois facteurs qui a metté Jovenel Moïse dehors dans pouvoir. Premier facteur, c'est la grande pression populaire. Et je vous dis, là, c'est tout le pays qui se prépare, ok, et à se mobiliser pour dire non et pour faire échec à mode de pouvoir. Ça. Deuxième autre facteur, et pour pouvoir gagner, il y a une pression internationale qui pourrait être importante. Alors, il n'a pas les
et capable d'un paradoxe parce que les m'a parlé de pression internationale ou capable rapidement d'envoyer Géo sous dernier tweet et les États-Unis ou si ça m'a parlé là, c'est pas possible. Mais je veux vous dire que l'international c'est pas les États-Unis. Ça c'est un. Non, c'est pas les États-Unis seulement. Oui, c'est ça. C'est pas les États-Unis seulement. Mais les États-Unis gros poids par rapport à M. Syriac avant aller plus loin. C'est ça. Deuxièmement, M. Syriac. Et le support des États-Unis au pouvoir du Jovenel n'est pas un support permanent. D'ailleurs, sous analyse des questions bien je vous dis là, ou après président américain avec président haïtien ou bien semblé. Parce que c'est deux mondes qui craquent, c'est deux mondes qui paniquent. Donald Trump devant une situation là que le pas pour le côté pour le mettre colle par rapport aux élections de novembre que les pays gagnaient et un rien qui jouait en faveur pour le remporter et c'est et mode de pouvoir sauvage ça qui n'a tête les États-Unis là qui et ben nous mode de diplomatie et sauvage ça ou est que qui pas même garder dans texte ambassade des États-Unis yo. C'est comme si il n'y a pas de diplomatie là-dedans du tout. Son bagage sauvage net. Donc maintenant, il y a deux temps là pour nous analyser. Il y a le temps de Donald Trump qui est limité à novembre. Donc ça veut dire qu'il y a un pile perspective là ou pas l'empile. La question, mais allez-y là, mais si l'opposition là à battre 4 pelouses. Il y a le temps de Jovenel aussi qui se limite à 7 février 2020. A dit que monsieur Siak, et avant même passer Jacques et pour Jacques poser et prochaine question, hein, et opposition là n'a battre 4 pelouses nous, vous êtes Joe Biden qui est président parce que ça vient pas une chance à monsieur Trump, non? Non, pas une question de 4 pelouses qui a débattu sous question Joe Biden qui voit le président. Parce que moi, parlons d'abord de la grande mobilisation qui se construit au niveau national. Non, mais dimanche là, on annonce ces manifestations. Et dimanche là. Mais cependant, international là, et je dis à la qui c'est un acteur déterminant, nous croyons que tôt ou tard, international là, pour gagner, pour l'aider dans et large concertation. Aidez-nous à construire l'âge de concertation pour aller déboucher sur accord politique pour arriver à mettre des pouvoirs de transition en place. Monsieur Syriac, on nous met les pieds sous terre. Oui, bonjour Jacques. Et bonjour Monsieur Syriac. On prend la réalité là. Par exemple, et vous parlez de. Il y a un pas, et quand même, qui a franchi, même si nous trouvons que quelqu'un de leader de l'opposition qui parlait avec un peu d'arrogance. Parce qu'il y a deux temps parlé avec eux là qui dit que il n'y a pas d'affaire à faire accord dans Chita parler. Mais il y a plein de nous et qui Chita cap discuter pour nous capables de joindre une alternative commune. Maintenant, alternative commune, ça, M. Syriac, est-ce que nous pensons que nous avons des moyens politiques pour nous forcer que l'autorité qui est là est en dérision? La première chose, moi je dis que quel que soit le leader que autant d'équipe pas dans la négociation, c'est peut-être une posture même de négociation que l'affiché. D'accord? En politique, pas gagné. Et ça, en matière de crise, l'on en crise, c'est dialogue, c'est chita parler qui avait réduit là-dedans quand même. Cependant, les n'a pas les deux accords politiques. Il y a deux monde qui ont tendance, ouais, rapidement, c'est un accord politique avec Jovenel, avec PHTK, obligatoirement, qui a sauté nous dans la crise là. Oui, nous-mêmes au niveau de l'OPL, nous toujours souhaité que les gens qui ont le pouvoir dans le là, même si c'est deux mêmes matins la petite pouvoir, dans 48 heures ou bien dans 24 heures, donc les mêmes qui ont fait partie de solution de crise là à travers un accord. Mais cependant, Jovenel Moïse avec PHTK, ça fait longtemps qu'ils ont affiché un comportement, ils n'ont pas laissé aucun espoir, ils n'ont pas laissé personne mounoué possibilité pour participer et dans une démarche à cause de ce type de crise dans le pays. Donc c'est ça que fait. Nous même au niveau de l'opposition, nous croyons que l'accord global n'a pas l'air, c'est un accord qui pourra réaliser avec ou sans Jovenel Moïse, avec ou sans PHTK. Parce que la société d'aujourd'hui,
et qui s'opposent au régime des HTK, qui s'opposent aux dérives de Jovenel Moïse, représentaient plus de 85 à 90% d'un pays. Et tous les secteurs organisés, les partis de l'opposition, donc la société civile qui est censée traumatiser, qui est censée baigner la misère que les HTK, Jovenel Moïse, infligé, qui a passé misère en bas, toute gang Jovenel était HTKO. Donc, c'est la grande majorité de la société d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire, si Jovenel était HTK, yo-même, yo pas gagné aucun nationalisme dans Venio, yo pas gagné aucun sens patriotique qui dit yo, pays a besoin normalement. Et retourner dans la paix, et il y a besoin de retourner dans le fonctionnement normal, puis on a participé dans le rapport, et bien tout secteur dans la vie nationale là, avec tout leader pays à posséder, a été dégagé, a brisé. Monsieur Siria, Monsieur Siria, c'est vrai que beaucoup disent qu'il y a une politique qui a gagné, et pour nous faire appliquer la résolution là, pour nous prendre dans l'opposition, et là nous finissons dans tête nous. Et c'est là, je continue peut-être tout cas tourner sous lui. Et généralement, yo di moun ba négocier avec zanmi yo, pa wè? Et ou négocier avec moun et qui en face ou que ne pa wè bagay yo même gens. Et nous ka gon dénominateur commun, c'est par exemple c'est Haïti, va dire gros pays mais développement Haïti, nous pa wè le même gens. Maintenant, par rapport à et c'est nous même qui qu'on a dit comment pays a gagné plus âme, vous parlez de G9, vous parlez de G9. C'est un peu d'âme, pas vrai? Comment nous avons la paix et où sont dit là dans le commencement de l'interview de vous, ces démocrates, il faut que vous parlez. Même nous pas parler pour parler, mais il faut que vous parlez qui a débouché sur une solution. Mais, et on parle sérieux. Et on parle sérieux, j'en dis là. Mais si nous excluons dès le départ, nous avons compris que nous posons des conditions, mais si nous excluons, pas quoi que. Parce que nous avons fait ça pratiquement depuis presque 30 ans, et plus particulièrement et depuis 2004, et avant Aristide Allais, et nous excluons en partie, et puis nous tombons dans la catégorie pour manière, nous pouvons faire côté solution absolue. Est-ce que le pacte a gagné des mises en place qui fait pour dire que mes conditions pour nous parler à tout secteur, quel qu'en soit le secteur, pour nous garantir la paix dans le pays? Bon, nous mettons au niveau de l'OPL question exclusion, nous voyons là-dedans. Et c'est ça qui fait que moi, je dis que de compréhension nous, de politique, nous qui au pouvoir, même si c'est 24 heures, il gagne pour le passer encore, il n'y a qu'à faire partie de nos solutions. Okay. Pour nous-mêmes, problème négocié avec PHTK, avec Jovenel là, c'est un problème qui taille Jovenel avec PHTK. C'est pas bon côté non. Et mon bon garanti, c'est pas OPL seulement non qui croit dans le dialogue, qui croit dans la négociation. Et en pile monde dans le niveau opposition qui croit dans le dialogue, qui croit dans la négociation, et tout l'autre monde, et il y a deux monde qui t'avaient considéré comme des jusqu'aux positions, et deux monde qui tendaient tout. Si tu as gagné une disposition pour un dialogue réel, pour une négociation réelle, pour déboucher sur un accord de sortie de crise, moi, bon, garantie, toute l'opposition apparaît, d'accord, pour un dialogue comme ça, pour une négociation comme ça. Donc, le problème, c'est que, et d'ailleurs, il y a plusieurs tentatives qui étaient faites déjà, sorti 2018-2019, d'accord, et l'obstacle a toujours été Jovenel et PHTK. Donc, c'est sous base ça, oui, nous dit aujourd'hui. Mais, là. Et accord politique là, il est capable de faire sans Jovenel, il est capable de faire sans PHTK. Mais d'ailleurs, c'est parce qu'il y a une volonté, donc, pour empêcher, on fait partie de solutions okay, de crise. Ok, là, on d'accord. Mais là, on a regardé le bagage. Et on dirait que l'homme pour un Jovenel Moïse, c'est Prétasberg là, oui. Et oui. Comme si tout reste là. Et. Est-ce que non, pour nous-mêmes, nos positions, et on va ressortir là dans l'interview, et l'ambassade américaine très directe, et il y a voué tout ce qu'on y a, et il n'y a pas même passé Tibet, en équipe la gueule.
est-ce que disons très brut et m'a pas dit brut m'a yo très direct pour t'a pas dire comme ça est-ce que d'après nous-mêmes nos positions hein, c'est parce que senti que battre la main comme qui fait que il y a sorti griffio parce que c'est une rare fois nous voyons que américain était un ambassadeur était prend des positions qui est aussi claires et tranchées et pour un pouvoir qui est en place et en un pays. Non, et vraie raison qui expliquait comportement et les États-Unis à travers mode diplomatie et la dégager en Haïti, c'est dans le cadre de politique de survie à la fois de Donald Trump et de Jovenel Moïse. Mm-hmm. C'est comme si Trump et Jovenel yo entendent yo sur une logique animal nan mal li nan mal net. Mm-hmm. OK? Trump devant une grosse difficulté aux États-Unis. Or, pour un président américain qui est en fonction et qui est candidat et à sa propre succession, les politiques étrangères ont un paquet d'importance. Dans le débat et dans la campagne électorale, il faut qu'il soit capable de justifier l'action. Et en termes de politique étrangère, et les États-Unis sont un gros leader dans les Caraïbes. Donc, il faut qu'il soit rendu compte sur Haïti. Et vous pensez que vous pensez Haïti que tout est important ça? Oui, Haïti gagne plus de politique. Non, mais là, je dis ça. C'est une politique. Même vivre pendant. Il ne faut pas oublier. Faut pas oublier quelque part. Haïti sont géants, il y a dans les Caraïbes là. Du point de vue de population et du point de vue de l'histoire. Oui, d'accord? Mais maintenant, bah m'explique ça. Et ça veut dire et Trump tôt ou tard vient pour le rendre compte de Haïti. Maintenant qu'on y a là, les forcés Jovenel pour le capable de mettre un bagage en place qui est le conseil électoral pour soi-disant lancer le processus électoral, il y a besoin d'aller dans le débat et puis maquiller les questions, puis dire bon, démocratie a marché en Haïti, donc les élections pour le faire, etc. etc. Et bon côté Jovenel lui-même, dans le cadre politique de survie, et chaque jour, chaque mois, Jovenel passe au pouvoir en plus, les balles ont certaines garanties, les balles PHTK ont certaines garanties. Donc ça veut dire que la justice n'est pas capable d'enclencher aucune procédure pour venir faire procès Pedro Caribe, pour venir organiser des procès et assassins qui font un ensemble de massacres sur la population. Et notamment, par exemple, la dernière enquête qui vient là, son enquête qui a dû aller vite. Et résultat enquête la date de Souti sur l'assassinat crapuleux de Maître Monseigneur Doval. Mais écoutez, Fox, c'est des manœuvres politiques et de dilatoire qui sont capables de détourner toute attention, oui. Jovenel sans cesse qui est capable et retarder tout dossier ça. Tout ça, c'est dans le cadre politique de survie de régime. Mais pendant que dit ça, M. Sigal, par exemple, pour les États-Unis, par rapport à Haïti. Est-ce qu'on connaît que le pays haïtien, particulièrement dans le sud de Floride, qui est avec Trump? Et d'ailleurs, qui était de Trump, gagné élection et face à Hillary Clinton. Et ensuite, à titre d'information, M. Sigal, et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, si gagné d'un côté, communauté haïtienne, particulièrement en Floride, il n'y a pas la pipe a marché c'est pendant ces 4 dernières années parce que longtemps c'était presque acquis et magistrat 9 Miami c'est haïtien mais là on a perdu du terrain certain. Est-ce qu'on croit que je nous bat tête non gros importance pour les États-Unis hein? non gain toute importance ça l'on prend sa cap fête sous terrain et aux États-Unis même non pas en Haïti non pourquoi en Haïti non aux États-Unis même est-ce que c'est pas le fait que nous en pile froid et réalité a nous pas appréhender les gens liés à qui fait que il y a des résultats que nous pas qu'on a gagné et puis la difficile pour atteindre. Haïti tellement gagné importance pour les États-Unis que dans toutes élections américaines tout candidat gagne état Floride en pile importance. Oui parce que ce sont swing states mais c'est pas seulement. Mais c'est d'accord. Pas pour haïtien, c'est maintenant, parce que là gampil cubain, gampil c'est que ça veut dire c'est là qui on swing state son côté qui pas aucun parti qui gagne un électorat par exemple, là dit Californie, c'est démocrate.
Et oui, qu'il pleut, qu'il tonne, et démocrate a gagné, ou pour New York, démocrate a gagné. Tout comme l'on prend Texas, c'est catastrophe pour ta gagne, pour républicain, pas gagné. Par contre, Floride, pas comme ça. Et maintenant, est-ce que nous, même, par exemple, dit Floride, c'est toute communauté et toute minorité yo, qui, normalement, qui fait différence. Hein? Et voilà. Je ne sais pas que c'est nous qui pifons la donne. Est-ce que nous, même en Haïti, parce que c'est là qu'on a parlé, est-ce que nous pouvons donner comme ça? Il n'y a pas fait défaut dans la mesure où nous avons du mal. Parce que les gens, il y a un auditeur qui écrit là qui dit depuis que nous avons un peu de jeunes, nous avons un peu de Jovenel Moïse, et puis Jovenel Moïse a validé le terrain sur nous. Et il y a l'impression qu'il a gagné. Et pendant ce temps, là où ça fait peur, M. Sériac, nous avons un pays qui n'a pas fini, nous avons un pays qui a coût de ressources, nous avons un pays qui ne peut pas diriger chaque jour. Bon, moi, j'espère que l'auditeur qui écrit là, ce n'est pas un fataliste. Parce que le comportement fataliste, le plus souvent, il est dangereux. Et parce que qui est fataliste là, il est capable de conseiller. Donc, c'est qui te bagaille là comme ça? Donc, Hélène qui te le comme ça? Donc, et sous qui ça va déboucher? Donc, la question n'est pas là. Mm-hmm. Nous pas insister trop sur question importante Haïti pour les États-Unis hein? Mm-hmm. Parce que il y a un pile l'autre facteur et depuis qu'on comme a promé à diriger tout nous connaît que marché haïtien hein? C'est pas n'importe marché pour les États-Unis donc c'est pas ça nous t'app analyser et trop qu'on y a là et ces contradictions nous t'app essayer ouais et qui expliquer et situation qui gagne là maintenant et qui ça qui pourra le faire dans les prochains jours et c'est lui qui est bien important pour nous. Nous, au niveau de l'opposition, question formation et G9 et électoral et président Jovenel, là, il n'est pas étonné, non? Parce que nous te connaissons depuis un certain temps, M. Jovenel, l'étape travail, l'étape créer secteur, puisque tout secteur vital dans la vie nationale, là, est dit non déjà, il n'y a pas de combiner ensemble avec lui, dans le monde pour le former. Il y a un conseil électoral qui pourra le conduire le pays à une crise qui est majeure. Donc, M. Créé, secteur, et lui chercher rentrer 9 mounes en dedans de Ticanva, sectoriel, lui former à faire. D'accord? Maintenant, et ce qui ça, il est capable de régler ensemble avec lui. Donc, ça va dépendre de qui force de. Qui détermination société a les mêmes les gagnants par rapport à ça? Qui détermination classe politique là les mêmes les gagnants par rapport à ça? Alors nous-mêmes, au niveau de l'opposition, au niveau de l'OPL, et nous, les mêmes gens ensemble avec les citoyens, yo, donc, pays a arrivé à un côté là, il faut qu'il fait bac. OK? Nous pas capables de fabriquer une démocratie en Haïti à travers des élections qui a produit la misère quand même. Mm-hmm. Qui a produit la misère seulement, qui a produit l'insécurité seulement. Je vous dis à la seule politique publique pour voir en place là, c'est l'insécurité à travers les gangs armés. D'accord? Et dans aucun pays, élection parfaite n'a mis tant d'insécurité. Et quand surtout, c'est l'État lui-même qui a une responsabilité pour réaliser l'élection, qui générait l'insécurité, maintenant, toute partie politique, société a obligé et prudent, fait bac. Bagay ça lui-même n'est pas concerné non. Jovenel t'a même fait une élection pour le PHTK au pouvoir, pour le Kembe corrompu au pouvoir, qui pour servir lui-même avec ensemble de corrompus dans le pouvoir, qui volait un pile corps dans la caisse l'État, qui fait un pile crime dans le pays, pour servir aux deux draps, pour la justice pas arriver sur eux. Donc nous-mêmes, au niveau de la classe politique, nous ne pouvons pas faire complice de ça. Donc pays attend mieux de nous-mêmes. Et nous gagnons une responsabilité nationaliste et patriotique vis-à-vis de la nation. Donc, nous avons continué à gourmer, nous avons continué bataille pour nous conduire pays à un accord politique global. Et un accord politique global, ça, qui a fait chita sur la rupture, tant que citoyens au deal. Et rupture doit d'abord, rupture sur l'État traditionnel patrimonial. Pour nous passer dans un État démocratique réel, et nous devons rentrer dans une rupture avec l'économie de rente qui s'est seulement sous commerce. OK, pour nous capables d'encourager le travail productif dans le pays et le développement de la vie économique,
nous devons rentrer pays à dans une transition de rupture aussi avec la gestion calamiteuse de l'environnement pour nous et rentrer pays à et dans la protection et le contrôle de sa population. Parce que c'est seul Haïti et la Caraïbe là qui gagne un capital qui relève Port-au-Prince. Donc, quel que soit étranger qui paraît Port-au-Prince, l'aile paraît les saisie parce que c'est fatra, c'est insalubrité, c'est vieux de l'arbre, de l'eau sale, la boussante qui recevra les, etc. Donc, et c'est ça qui fait que tout autant nous dans situation ça nous pas besoin capable accueillir de grands investissements sur le territoire national là pour créer emploi et pour faire économie nous les progresser. Nous devons rentrer aussi dans rupture avec mode de rapport international qui rend pays indépendant d'un certain nombre de pays pour nous capable relever dignité nationale là. Et pour nous capables maintenant, de rentrer dans la reconquête de la souveraineté nationale. On dit reconquête de la souveraineté nationale, mais, c'est moins maintenant. Effectivement, oui, c'est ça. Et, effectivement nous perdons là à tous les niveaux. On va dire plusieurs niveaux, à tous les niveaux. Maintenant, est-ce que nous avons un moyen politique, non, et M. Segak? Par exemple, je nous vois causer à Elan camper sous deux positions diamétralement opposées. Pouvoir. Moi, espérer la question ou à poser moi, pour pas demander moi si nous gagnons gang même gens ensemble avec non, les non, il va pas là. Parce que la réponse est non, nous même nous pas faire gang. Qui l'aime fini? Élection. C'est deux projets qui opposent. Et deux projets, alors que n'a parlé le même pays. Et ça va douer comme ça. Vous comprenez? Ça fait longtemps, oui. Et il comme ça. Les questions pays pas intéressé, président Jovenel encore, et PSTK. Maintenant, l'homme dit. C'est nous au niveau de l'opposition qui a parlé de pays. L'homme dit, est-ce que nous gagnons moyen pour et politique loin? Parce que l'histoire là, et nous, en pile fois, élection après aller sans un minimum d'entente dans le pays, nous en pile sans couler et en pile monde mourir, par exemple, 87. Et nous songeons ça qui est passé dans la question de l'élection. Parce que bagayote chaud, j'ai eu chaud la journée, j'ai dit. Est-ce que nous-mêmes dans l'opposition, hein, nous gagnons moyens politiques, nous, tout comme nous avons une décision de sagesse, et c'est ça qui fait que Evans Paul, on le. Et le départ de l'élection de Gensoulier, le premier ministre, et puis après l'élection est annulée, même si c'était une grande pression populaire, mais quand même, Jovenel Moïse a continué à battre nous. C'est ça qui te dit. Est-ce que, qu'on y a là, nous-mêmes, nos oppositions, Jean-Noyer, nous avons moyen, si d'une part, nous t'a dit que l'élection est capotée, n'est pas faite, avez-vous la capacité, pouvez-vous mobiliser et la population haïtienne pour être capable de choisir nous comme président, comme sénateur, comme député et comme magistrat. D'accord. Et moyen politique nous, pour nous capables de renverser tendance, c'est moyen nous te gagner pour nous te faire 86 là. Pour nous te mettre fin une fois pour toutes à régime dictatorial du Valier. Et moyen politique nous, c'est moyen nous te gagner pour te mobiliser population en foule, en grand nombre, tout au cours de l'année 2018-2019, et moyen politique nous, c'est capacité nous gagner pour nous rassembler entre nous, côté toute force politique, trouver là, dans une dynamique de rassemblement, de discussion entre nous, pour nous capables de construire un seul bagaille, un seul cahier de charge, pour définir un seul. Même si gagnent différences idéologiques, mais pour toute pôle politique rencontrée, ils mettaient ensemble pour mener une bataille là, pour nous arriver dans la définition accord politique là, et puis nous arriver dans la mise en place pour voir de transition. Bien entendu, conjugaison de moyens politiques, c'est lui qui va permettre de nous mobiliser tout le pays, okay, en volontaire pour que
c'est et l'expression populaire même, c'est la population qui lui-même qui manifester, qui exprimer, qui utiliser moyens politiques là pour nous renverser dans le plan et ceci qui va être fait. Maintenant, nous avons même dit où avant nous finir, pour question élection, pour question conseil électoral, oui, nous avons besoin d'un conseil électoral qui pour faire élection dans le pays. Mais conseil électoral, ça, la prenaissance dans le pays en 2021, après président Jovenel, après THTK fin quitter pouvoir, et après que nous finissons réaliser et la conférence nationale ou le dialogue national, quel que soit Jean-Aurélien, qui a accouché à réforme constitutionnelle là, et qui pral ban nous aussi possibilité pour nous capables faire yon réforme dans le système électoral, là, tout d'abord, a bien un accord sur formation et un conseil électoral. Et sous réforme système électoral, là, c'est à partir de là que nous avons bien conseil électoral, que nous allons commencer par ces élections, parce que il y a trois facteurs qui font élection pas jamais possible avec Jovenel Moïse, avec les HTK au pouvoir. Premier facteur, c'est le fait que le régime n'a gangstérisé le pays. OK? Pas gagné aucune possibilité pour parti politique à candidat capable d'avancer sous terrain que au gangsterisé. Deuxième facteur, c'est parce que le régime n'a crasé le système électoral là. Même si tout le monde dans le pays a décidé, a dit bon, nous voulons aller dans l'élection, nous voulons dans l'élection, on a besoin au moins 2 ans pour capable refaire le système électoral là, PHTK crasé. Troisième facteur, son facteur de temps. L'irrité Jovenel Moïse à peine 5 mois pour le passer au pouvoir. 7 février 2021, au plus tard pour le quitter pouvoir. Question élection, pas concerné. Eh bien, merci un peu, Lufrem. Et Kimbe, la bonne journée. Merci un peu. Et mes amis, c'était un grand plaisir. Merci à tout auditeur, auditrice qui t'attendait. Voilà, c'était avec nous Daniel et Syriac, qui lui-même, c'est pas de parole au PL. Mais entre-temps, Jacques. Et il y a plus passé 300 partis politiques, oui, et on intellectuel, on confirme avant qu'il y a un homme qui est inscrit dans le ministère de la Justice. Non, parce qu'on n'a pas besoin. Ou pas faire partie politique, oui. Oui, oui. Yeah, ou même avec femme. Femme de la candidat. C'est vrai, mon bouquin, oui. Ou pas besoin de candidat, monsieur, pour aller négocier. Et quand il y a qui est parti, il y a une partie autour. Ben, il y a une bannière. Il y a une bannière. Qu'on ait une équipe besoin de candidat. Et non, mon cher, oh, c'est bel numéro. Numéro à l'élection. Il y a une équipe qu'on a un candidat et qui n'a pas un parti. Et parce que l'on n'a pas un parti, l'on est indépendant, on paye plus cher. Et pour rentrer en noir avec l'idée politique là, mettre parti. Hein. Parce que nous faisons partie politique. Bien mettre, oui. Oui, parti politique, n'a-t-il, mon cher. Il y a une équipe qui est représentant national à la vie, il y a une équipe qui est. Tu vas se mettre en ici. Et non, pas besoin là, mon cher. Non, vous êtes en la vie, c'est monsieur. Qui est dans le parti, même si vous êtes en train de mettre l'autre 9 ans, c'est vous qui l'a capté les ficelles, comme si. Et surtout les négociés chefs, les négociés premier ministre, les rails, d'autres. Et. Je ne parle pas de personne. Je ne parle pas de personne. Je dis que les gens qui ont pris retraite, ils ont quitté les jeunes pour émanciper, et puis après ça. Et puis, c'est le jeune de Dieu. Et garde à vous tout le monde. On va vous dire d'abord, colonel. Il est déjà 8 heures. Il est déjà 8 heures.
kon dwa ou, dwa nan travay ou, dwa pou jwenn ti mòsò la jistis, dwa pou fè respekte byen ou ak lonè ou dinite ou libèté ou. Pacific FM a prezante ou le mò du dwa. Dwa mental ki pou di fiyete nou. Avec Maître Rodrigue Dumas. D'une manière générale, yo défini yon collectivité territoriale comme étant une personne morale de droit public, une entité géographique, politique et administrative pour l'État fait décentralisation et puis arriver à terre dans la population. Personne. Ça veut dire collectivité territoriale la gagne sa relé yon personnalité juridique. Comme ça, les gagne droit ak devoir. Les gagne yon patrimoine qui ka divisé en actif et passif, ça veut dire côté li ka gagne bien tout comme li ka contracté dette tout. Comme ça tout, yo ka relé devant tribunal même gens li ka relé moun ou bien l'autre entité tan kouli devant tribunal tout. Yon personne morale qui dit donc collectivité territoriale là c'est pas un individu mais plusieurs individus qui regroupé ensemble en association. Comme ça droit devoir ak patrimoine nous sont dit gain là yo pas appartenu à un individu ou bien un groupe d'individus donné mais toute communauté. Mais tant coup n'a pas pour nous ça puis devant comme tout individu ça pas capable à gérer administrer entité ça ensemble et en même temps yo choisi plusieurs parmi yo dans élection pour représenter yo pour défendre droit à intérêt toute collectivité. Collectivité territoriale là c'est également une entité géographique dans le sens que elle représentait une portion territoire national là. Un morceau dans espace physique pays là que la loi déterminé et délimité. Yo considérer collectivité territoriale là tant qu'une entité politique tout dans le sens que elle constituait un groupe social côté individu yo partager un ensemble d'aspirations qui visait transformer espace ça en manière pour tout le monde qui retrouver là-dedans capable vivre plus bien chaque jour. Et enfin, une collectivité territoriale c'est une entité administrative dans le sens que il doit constituer d'un ensemble de bureaux l'état que doit mettre en place pour permettre tout le monde qui trouve une entité ça une toute qualité service aux besoins dans tout domaine que ce soit dans affaire éducation, la santé, énergie, l'eau potable, communication, etc. Avant l'adoption de la Constitution 1947 là, pratiquement nous avons une seule collectivité territoriale, à savoir commune, avec évidemment un seul organe, une commission communale trois membres, mais côté en réalité, toute prérogative était chita, était concentrée dans un seul individu qui était un pouvoir fait et défait, en parlant de magistrat principal là, qui était plus joué rôle agent pouvoir exécutif là. Mais depuis 1987, à côté commune là, Constitution a créé deux autres collectivités territoriales qui sont section communale là. Ak département côté chaque collectivité sa yo doit gagner en tête yo un conseil trois membres pour diriger yo défendre intérêt yo ak yon assemblée qui là pour assister conseil là et puis pour li rendre compte de gestion li. Pour petite collectivité territoriale en parlant de section communale là c'est un conseil trois membres population doit choisir dans élection pour 4 ans qui gagne pour administrer et conseil administration section communale là doit gagner une assemblée section communale à sec pour aider dans responsabilité li. Pour commune là doit gagner un conseil trois membres tout qui est le conseil municipal qui doit élu dans élection pour 4 ans tout pour administrer commune et doit gagner une assemblée municipale qui là pour aider conseil ça dans mission li et qui doit former à représentant chaque section communale là tandis que dans chaque département qui c'est plus gros collectivité territoriale doit gagner un conseil trois membres tout pour diriger et doit gagner une assemblée départementale qui former à représentant chaque assemblée municipale là tout pour aider conseil là tout temps en travail. Mais qui vient la loi dit pour organiser section communale là en tant que pipiti collectivité territoriale? Réponse dans plus prochaine rubrique non. En tout cas, en attendant, c'est dommage que Chabrak dans Port-au-Prince pour que jambe comprenne nécessité pour appliquer constitution dans ça concerné décentralisation, même gens acte en pile l'autre domaine. Mais tout, c'est ça qui expliquait en partie une série de problèmes qui fait caribrasser bil pays, particulièrement capitale en parlant de Port-au-Prince parce que tant que ou pas décidé à joindre population côté lié ya, accompagner elle dans résoudre problème li yo et ben attendons à ce que yo a obligé vinn joindre et ce avec tout ça ça entraîné comme conséquence tant coup promiscuité pauvreté insécurité saleté bidonvillisation ak dégradation environnement. Maître Rodrigue Dumas, Pacifique FM. Rete branché n'a tourné talle. Ton référence BRH pour journée mardi 22 septembre 2020, c'est 78,96 pour $1 américain. N'a pas rappelé tout le monde, ton référence BRH calculée et puis publiée pour journée 1, c'est résultat transaction achetée dollar qui fait dans la veille sous marché change.
pas oublier. Ton référence là disponible tout le temps sur site BRH là www.brh.ht, sur compte Twitter BRH, BRH Haïti, ou soit au carré les centre contact BRH là gratis dans 82 74. 78 goud 96 pour $1 américain. Ou gros machine, qui métier ou? Docteur, ingénieur, agronome, comptable, chômeur, machine ou an, lè ou libre. Ou café ou libre? Ou libre son application qui tank ou Uber, qui ou téléchargé sous téléphone ou, kap voye passager pour ou. Ou ap touché sans problème, et si tout, ou pas besoin longe mais ak passager pour toucher, qui donc, no contact. Téléchargez kounye a même application ou libre pour chauffeur. Passager a gen application ou libre qui naï ou même ou gen application ou libre qui naï. Fais ça kounye. Ou ap ka télécharger sous Play Store ou bien Apple ça ouais. Kounye ou nan business. Ou libre pour ka pi libre. W O U L I B. Ou libre pour ka pi libre. 49 35 76 76. L'idée pour sensibiliser tout peuple haïtien sur l'importance nouveau 4 identification nationale. Office national identification, ONI, tamen yon campagne dans 4 coins pays d'Haïti. ONI a profité rappeler tout le monde. Délai pour aller faire nouveau 4 identification nationale, c'est 16 octobre 2020. Cap vini là, Jean décret 18 juin 2020 a mandé ça. Qui donc, citoyens tout partout dans le pays, marché pressé, tout bureau ONI déjà l'ouvri porte bien large pour recevoir demande yo et puis bayo service pressé pressé ak bon Jean accueil. Ou doit marcher ak youn nan pièce si la yo. Baptiste, extrait d'archive, certificat baptême légalisé. Ou même madame mariée qui t'a remé mettre nom mari ou sous 4 signes. Songez marché avec ak mariage. Pièce d'identité si la, c'est un 4 multibiométrique. Ça veut dire, li fait à partir toute information sur moun kap fèl la. Tant kou, empreinte douette li, empreinte gel ak reconnaissance faciale. Mettez sous ça, li vini ak yon piste électronique qui donc, pa gen pièce possibilité pour faire faux 4 ça. Nouveau sin, fait rapide, facile ak yon matériel solide qui pote non polycarbonate, li résiste ak glow, chalet, et puis bay yon garantie 10 ans. Tout citoyen à la ronde bade, doit dégager yon koumè Jean-Jacques pour gen nouveau 4 avant date 16 octobre cap vini là. Pas oublier, aucun monde pas autorisé à le chercher 4 pour moun. C'est médecine seulement qui peut passer chercher dans bureau ONI côté le tefel là dans une période qui pas dépasser 8 jours. ONI a prêté l'ouvrir 7 jours sur 7 pour servir population hein, moun cap vive ak yon handicap gen priorité dans tout bureau ONI. Pas attendre date 16 octobre arriver sous nous pour faire 4 là. C'était un message Office National Identification ONI. Maman, canon machine. Faut nous faire crash check, ça c'est Subaru. Boum, boum, patate, ça c'est Subaru. Grève et moi, les gars du sol, Subaru. Paquet prenne un wash, j'aime le Subaru. Faut nous faire crash check, ça c'est Subaru. Boum, boum, patate, ça c'est Subaru. Grève et moi, les gars du sol, Subaru. Paquet prenne un wash, j'aime le Subaru. Subaru, mettez-moi, frère, mettez-moi. Wow. Des chaises malaises moulées soir. Qui machine lick swap jeune n'a pris ça. Yon machine japonaise wa di konnichiwa. Konnichiwa. Kado chassis, machine de classe. Si c'est pas le vide, regardez les ma passe. Kado mes kado vitesse, kado sécurité. Kontra pas ka passe, kon souba ou toujours passe. Faut nous faire crash check, ça c'est souba ou. Voum voum, kapa kat, ça c'est souba ou. Je peux mon nègre du sol, souba ou. Souba ou. Pake bon en wash, aime le souba ou. Souba ou. Faut nous faire crash check, ça c'est souba ou. Voum voum, kapa kat, ça c'est souba ou. Sous ta reme gon Subaru, même j'en vem, vin jwenn nou nan Automeca. Adresse 22 boulevard Toussaint Louverture sous route Ayopoa. Téléphone 2941-2544 et 2941-2545. Et sous net la, automeca.com. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseil déco ou commande personnalisée, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Bohème sur Facebook et Instagram à Bohème Boutique HT. Cadeaux, accessoires, mobilier, Bohème. Un peu de tout, de partout. «
compagnie nous en relé Pinson SA. Il n'y a pas aucun autre nom. Pas prendre un fourmamite, pas prendre un imitateur. Directeur compagnie, c'est Tipinson Tetnob. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque deux ans, il est obligé de passer un examen pour voir si monsieur est au courant des dernières techniques et des derniers produits qui gagnent sur le marché. Donc, Tipinson Tetnob, certifié comme spécialiste dans le combat du fait. Pinson SA, Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Glamour, fashion, tendance and vintage, Bella Boutique a la baguette magique nécessaire pour vous transformer en ce que vous voulez. Trouvez la tenue idéale à Bella Boutique qui vous laisse un large choix de marques pour un mode qui vous convient et qui saura répondre à toutes vos envies. Passez à la rue Panaméricaine, local Harry's Restaurant, suite 111 ou appelez au 42 64 03 03. Choisissez Bella Boutique pour se faire chic et se sentir unique. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez Le Journal. Et ce n'est pas tout, Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ici, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, près de vous à travers la technologie. Chauffeur propriétaire machine qui t'a remis teinté, filmé vite machine yo, ou bien qui déjà gué vite machine yo, filmé teinté, DGI voye fait nous connaît, article 10 décret budget 2019-2021 fait nous obligation pour nous passer dans direction générale impôt qui pi préo là pour venir payer pour qu'a joindre autorisation. Mes documents pour nous porter, papier machine là, faut qu'on pas doit vignette, matricule fiscale, permis de conduire, pièce d'identité valide avec montant l'argent qui c'est 10 000 gouttes. Pour institution et entreprise, il faut que vous portiez kitis fiscal ou patente valide, carte d'immatriculation fiscale, papier machine en règle, papier assurance valide et puis preuve paiement qui c'est 10 000 gouttes. Pas oublier, autorisation pour vite filmer, pas empêcher la police rete machine pour faire travail contrôle qu'elle était toujours qu'on fait pour garantir sécurité tout le monde. Si vous pas autorisation DGIA ou prend contravention 20 000 goud. Marcher avec autorisation dans machine pour pas aller dans raconter et puis payer contravention tête neg. Pendant pays États-Unis, Haïti et partenaires régionaux ont travaillé pour préparer une saison capotée en pile cyclone pendant la pandémie COVID-19 là. N'a pas déconseillé les migrants pour ne pas aventurer et prendre bateau pour faire voyage dangereux ça yo qui a même la cause la mort. Dernier groupe 266 haïtiens qui ont été menés retournés au Cap Haïtien, après autorité zile et qu'un caïcoste qu'un bébato a voyagé, montrer une autre fois encore que c'est la peine pour nous risquer la vie dans les gens de voyage ici là yo. Pays États-Unis partage des pays d'Haïti pour yon des meilleurs pour peuple. Et puis, nous continuons à travailler pour un Haïti qui est plus sûr, qui gagne plus de sécurité et puis plus prospère. Chaque dimanche, sorti 11h pour arriver midi, Radio Pacifique a invité au côté Intelligence économique des jeunes. Yon émission capido comprendre pi bien choix ak décision économique yo et do développer l'idée pour mettre propre business ou campé ak en pile l'autre l'idée sur ça qui concernait économie. Intelligence économique des jeunes, c'est chaque dimanche 11h midi sur Radio Pacifique 101.5 ak économiste Wilshie François. Reprise chaque vendredi 2h 3h après-midi. Émission Intelligence économique des jeunes. N'a pas les économies, n'a pas compris en économie. N'a pas compris en économie. Je suis diplômé, obligé de chômer, devenu bol pivot pour aller travailler. Malheureusement, on m'a rapatrié. Suivez tous les samedis de 1h à 2h PM, Mise à jour. Mise à jour, une émission de technologie et de multimédia. Actualité, astuces pour les périphéries portables, laptops, imprimantes, logiciels et autres. Mise à jour, une émission de débat sur les technologies de pointe avec l'ingénieur Michael Boussicou. Mise à jour, tous les samedis, de 1h à 2h PM sur Pacific FM. Protéger l'environnement, c'est remettre tête nous, nous toutes concernés. Nous devons tous répondre à ce cri d'alarme qui fait appel à notre amour propre,
à notre responsabilité de protéger notre espace. Cam Stéphane Poulard, l'ami de toutes les générations, vous invite à écouter Environnement, Pacifique. Comment percevoir l'urgence de protéger l'environnement. Chaque dimanche, 3h, 4h de l'après-midi. Une occasion d'échange pour sauver Haïti sur le 101.7 FM Radio Pacifique. Combien de fois vous dites un prochain merci parce qu'il t'a aidé? Combien de fois vous dites par un merci pour ça vous fait pour vous? Combien de fois vous dites merci les gens qui rendent un service? Toujours songez dit merci à quelqu'un qui fait bien pour vous. Ça, c'est un message Radio Télé Pacifique poté pour améliorer le rapport monde à monde dans le pays. Radio Pacifique, qui n'est nous? Branchez, écoutez et puis tendez. Pacifique FM. Port-au-Prince, Jérémy, Okaï, Cap-Haïtien. Pacifique FM. Plateau Central, Latimouni, Port-de-Paix, Fort Liberté. Pacifique FM. NIP, Jacmel, et puis dans diaspora, à même passion. Radio Pacifique FM. Notre passion. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule. La vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Il est 8h15, bienvenue dans la deuxième partie de cette édition du Pacifique Matin. Le secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes appelle au retrait pur et simple de l'arrêté nommant les 9 membres du CEP, selon Éric Jean-Baptiste, qui rencontrait la presse lundi. Ces nominations ont été effectuées en violation de l'article 284.3 de la Constitution. La réforme constitutionnelle ne peut avoir lieu en dehors d'un accord politique, a indiqué Éric Jean-Baptiste. Il était au micro de Wesley Bernard, Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François. L'État, si dit fait voler, doit rentrer décret sous formation et mandat KEPA. Régime ça, pral courir sous 10 ans, plus l'autre qui était en vol, totalisé 30 ans. Depuis a créé toutes conditions pour yo pas jamais mettre campé sous pied un conseil électoral permanent sans entente consensus avec force politique et société civile là nous constater piwet lougaou 40 clous pour nommer 22e conseil électoral provisoire qui pi mal avec mandat pour organiser référendum sous constitution, ça qui violait article 284-3 qui dit toute consultation populaire tendant à modifier la constitution par voie de référendum est formellement interdite. RDNP, qui c'est leader qui a mené bataille pour gagner l'autre constitution, content constater plus fort classe politique là, société civile là, d'accord, faut que nous rebattions quatre constitutions pour nous sortir dans Galimatia KPIA à Koukouman. Mais ça suppose fait dans le cadre d'un accord politique ou au moins un large consensus. Travail pour établir un climat sécurité dans joindre une solution à problème gang yo traquer gang bandi illégal dans tout camp yo. De notre côté, le secrétaire général du RDNP a annoncé la tenue d'élections au sein du dit parti le 3 octobre prochain. Selon Éric Jean-Baptiste, il s'agit de respecter les normes démocratiques au sein de cette structure politique. On écoute. Comme nous connaissons depuis près de 2 ans, CENSA dans la tête RDNP et nous t'entendre pour que nous modernisions parti. C'est ainsi que samedi 3 octobre 2020, a gagné élection à l'interne sous tout pays, dans toute commune, côté que membres UTAO avec délégués pral élus représentants politiques RDNP dans toute commune qui gagne dans le pays. Processus ça, la continue après ça, lorsque les gens qui prennent l'élu
pral gagner eux-mêmes pour nommer direction départementale Patia. Ça nous te promet, c'est lui-même n'a fait. Nous te dit que n'a modernisé RDNP 41 ans plus tard. C'est dans situation ça, c'est dans phase ça que nous arrivé dans tête Patia côté que toute base Patia net c'est dans élection que y a sorti pour monter rivé jouk canlé. Revenons à cette interview donnée par Génard Joseph, où le responsable de la plateforme Vérité appelle la société à faire barrage au nouveau CEP qui, selon lui, n'a pas la légitimité qu'il faut pour organiser des scrutins dans le pays. Général Joseph. Valeur nous comme citoyens haïtiens, si nous déjà ça, la telle majorité, nous avons corrompu, et ce qu'a bataille pour respect la loi, pour respect démocratie, pour être stabilité dans l'État. Donc là, pour nous approcher de l'État, permettre pas un droit pour monter, pour marcher sous constitution, pour marcher sous toutes les lois, les valeurs républicaines, là, nous vraiment estomaqués, c'est pas vraiment forcément sous l'État, sauf que, et je dis à l'usine, ça a tellement pourri, tellement scandaleux, les citoyens ici, ils peuvent peut-être nous accompler ça. Nous avons une interrogation sur famille, sur qui nous sommes, comment nous sommes, qui sommes, nous comprenons côté qui a tout le monde, un régime qui tue le monde, un régime qui met tout le monde dans le grand un régime qui gangsterise tout le pays, qui met de l'eau, mais j'ai presque tout haïtien. Et je dis là, qui choisit en plus de tout ça, pour marcher sur toute loi république là, et puis aussi trois haïtiens permettent de pouvoir peut-être, mais contre le papa, c'est pour pas innocent. Rien n'a été porté aujourd'hui. Le régime est pourri, il écrase toutes les institutions. Pas de pleine condition pour lui, il ne peut pas aller des élections. Les réactions se multiplient, pour la formation du nouveau conseil électoral provisoire. La présidente du conseil national spirituel des églises d'Haïti, CONASPE, a fait savoir que le CONASPE n'a pas été représenté au conseil électoral provisoire mis en place par l'exécutif. Françoise Saint-Villy indique que le moment n'est pas propice pour la population de se rendre aux urnes. Pour étayer ses arguments, la présidente du CONASPE a évoqué l'insécurité grandissante de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Ses précisions. Je sois que j'ai exécutif en fait. Et en attendant, moi, je crois que quand on a fait une conférence de presse, nous étions clairement noir sur blanc, que nous te connaissons que nous avons préparé en CEP. Nous te dit que nous-mêmes nous avons vraiment. Nous ne pouvons pas mettre avec d'autres acteurs dans le secteur protestant. Nous devons responsabilité nous-mêmes, malgré nous connaissons qu'il y a un petit problème qui n'est pas venu. Mais malgré cela, nous-mêmes nous devons prendre responsabilité. Monsieur dit Omeus, pasteur dit Omeus, nous avons de l'argent. Vous comprenez? Il est vacciné. Donc, il prend une décision lui-même.
De notre côté, la présidente du Conseil national spirituel des Églises d'Haïti, qui dit reconnaître l'importance des élections dans le pays, plaide en faveur d'un vrai dialogue entre les acteurs de la vie nationale afin de trouver une issue à la crise qui paralyse le bon fonctionnement du pays. On l'écoute. Bon, nous pensons que, en réalité, nous avons besoin d'élections, et c'est vrai, et d'accord, chaque président compte ou transition. Nous-mêmes, nous croyons que nous besoin vraiment d'élections dans le pays. Ça, c'est certain. Le président allait ou l'autre doit monter. Mais mon frère, moi, je pense que l'État est bon pour tout acteur qui concerne nous. Je t'ai mettre ensemble et puis vous êtes à Chita pour nous capables de faire une bonne élection. Mais pour acteurs, on mette ensemble. Il faut que le représentant de tout fait avec d'accord et qui accepte pour faire bagaille marché correctement. Nous-mêmes, nous connaissons un problème avec nous. Nous faisons cette politique active parce que nous avons le droit, nous tous, sur le pays, nous avons le droit, nous, sur la tête, parce que nous devons essayer de tout le monde, nous devons vivre comme tout le monde, les chrétiens. Donc là, nous faisons le choix pour gérer le pays. Voilà pour les déclarations de Françoise Saint-Villiers. Alors que le leader du parti Mokrena, Sadak Dieudonné, s'en prend également à l'exécutif du fait d'avoir nommé les 9 membres du nouveau CEP. Selon l'ancien député de la ville des Gonaïves, le pouvoir en place ne fait qu'accumuler les dérives, doit se rendre à l'évidence que la réalisation des élections est techniquement impossible dans le pays. Sadak Dieudonné. Nous-mêmes, dans le niveau Mokrena, nous pouvons essayer. C'est l'action du monde qui est désespéré. Parce que le problème, il n'y a pas un café encore là qui a une plus grande dérive. Et ça, c'est la dernière dérive. La réalité a pas mal depuis organiser une élection. Vous allez dire, nous mettons Haïti, et sous rail démocratique. Il m'a dit pour nous mettre Haïti, sous rail modernité. Nous ne pouvons pas seulement par des élections. Mais ce n'est pas une élection qui n'a pas pris Haïti, sous rail modernité. Le développement réalité pour nous comprendre l'immédiat pour nous changer de système, l'immédiat pour nous changer de constitution, parce qu'on n'est pas capable de changer de système pour passer par une mutation constitutionnelle. C'est le nouvel de GPA, son bagage, la fait dans l'intérêt de HTK pour pérenniser HTK au pouvoir, veiller à Yepal parce que force et une personne nationale, lui ouvrir le président Jovenel. Et tout tout le monde qui fait partie du MPH, la première version, la deuxième version, qui immergeait dans la corruption, et bien tout le monde a eu besoin d'assurer qu'on pourrait faire, par exemple, faire un bon et du fort. C'est ça qu'a prévu là. Réal, il n'y a pas besoin de pour organiser l'élection qu'on y a là. À 8h29, le temps d'observer notre deuxième pause à ce jour-là. BNC ak Cam Transfert décide marier compétence ak expérience pour résoudre le problème transfert. À partir de jeudi à même, ou commandez formou ak zamou ou kilote bodlo pour faire tout transfert pour dans Cam Transfert. Ou ap capable vinn prendre dans BNC sans problème. Ou bien tout faire ou déposer sous compte dollar BNC. Seul côté ou gen garantie ou ap joine pi bon service. Et pas bonne nouvelle ou t'ap mandé, ni bonne nouvelle. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Nouveau chaîne en anglais, nouveau temps d'espagnol, nouveau thé en français, guino. Côté mouno capio rassemblé, côté mouno capio rassemblé, il y a ici qui vit dans son yant, il y a ici qui vit dans payant. Mouno capio, bonne nouvelle! Tel Haïti qui vit au cap avec 87 chaînes! Mouno capio déchaîné! Passez près de l'Haïti pour là, la locale Access Haïti ou bien Aïnet qui pipe là! Ou carrément nous tout! La 2943 3000! N'ta dit audi depuis l'appli tombé toute l'autre disparaît nous même télé Haïti vient avec toute parapluie a vinn dit ça
Électricité son bagage courant mais boy c'est li rare. Gè deux jours même lumière ou pas ouais, c'est pas rien non. Tu bignou grand monde. Yo fait ça à hôpital. Alors nous même les usagers du blackout agien grand monde, al pont Delco Kubota nan Automeka sur route aéroport, nan n'importe zone côté gon Delco Kubota, blackout yo pas ka réuni deux hommes bon poteau électrique. Blackout avec lumière c'est deux bagages qui pas ka mêlé. Si yon a dans vle mêlé, démêlé vite al pont Delco Kubota nan Automeka, sou vle ouais côté on blackout tap chata. Lumon Kubota. Automeka, 22, route de l'aéroport, 29, 41, 25, 44, 29, 41, 25, 45. Est-ce que vous connaissez quelque côté où pour aller, pour plus libre, ou pour obliger de sortir à la machine, si tout si vous avez besoin, je parle de Woulib. Woulib, c'est une application que vous téléchargez sur le téléphone, les mêmes gens à Uber. Premièrement, confirmez sur l'application à côté où vous êtes. Deuxièmement, mettez adresse ou bien côté où vous allez. Hôtel là, restaurant, bureau et latrier. Troisième témoin, ou ap konfime ki model machine ou vle monte ya. Men koze ya, deja gon model machine ak tout chauffeur ki tap passe nan zon ou an. En plus, ou ap wè photo chauffeur ak machine ki vin chèche ou la. Y sak pi red la, ou ap deja konnen combien kous la ap koute ou depi anvan menm yo vin chèche ou. Ou ap ka paye cash ou bien ak kat. Téléchargez kounye ya menm application Woulib la, W-O-U-L-I-B. Woulib, sous Play Store ou bien sous Apple. Ça ouais, misère a ou fini. Quel là ou qu'on besoin sorti, messieurs, oh, son tête chargée. En plus, question de pas de monnaie, madame. Ça fini. Woulib pour Capilib. 49 35 76 76. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez Le Journal. Et ce n'est pas tout, Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ainsi, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, plus près de vous, à travers la technologie. Glamour, fashion, tendance and vintage, Bella Boutique a la baguette magique nécessaire pour vous transformer en ce que vous voulez. Trouvez la tenue idéale à Bella Boutique qui vous laisse un large choix de marques pour un mode qui vous convient et qui saura répondre à toutes vos envies. Passez à la rue Panaméricaine, local Harry's Restaurant, suite 111 ou appelez au 42 64 03 03. Choisissez Bella Boutique pour se faire chic et se sentir unique. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseil déco ou commande personnalisée, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Bohème sur Facebook et Instagram à Bohème Boutique HT. Cadeaux, accessoires, mobilier, Bohème. Un peu de tout, de partout. Protéger l'environnement, c'est remettre tête nous, nous toutes concernées. Nous devons tous répondre à ce cri d'alarme qui fait appel à notre amour propre, à notre responsabilité de protéger notre espace. Cam Stéphanapoula, l'ami de toutes les générations, nous invite à écouter Environnement, Pacifique. Comment percevoir l'urgence de protéger l'environnement. Chaque dimanche, 3h, 4h de l'après-midi. Une occasion d'échange pour sauver Haïti sur le 101.5 FM Radio Pacifique. Chaque dimanche, sorti 11h pour arriver midi, Radio Pacifique a invité au côté Intelligence économique des jeunes. Yon émission kapé do comprendre pi bien choix ak décision économique yo et do développer l'idée pour mettre propre business ou campé ak en pile l'autre l'idée sous ça qui concernait économie. Intelligence économique des jeunes, c'est chaque dimanche 11h midi sur Radio Pacifique 101.5 ak économiste Wilshi François. Reprise chaque vendredi 2h 3h après-midi. Émission Intelligence économique des jeunes. N'a pas l'économie, n'a pas compris l'économie. N'a pas compris l'économie. Versus est diplômé, obligé de choper de nouveaux pivots pour aller travailler. Malheureusement, on m'a rapatrié.
Suivez tous les samedis de 1h à 2h PM, Mise à jour. Mise à jour, une émission de technologie et de multimédia. Actualité, astuces pour les périphéries portables, laptops, imprimantes, logiciels et autres. Mise à jour, une émission de débat sur les technologies de pointe avec l'ingénieur Michael Boussicou. Mise à jour, tous les samedis de 1h à 2h PM sur Pacific FM. Impression. Radio Pacifique a invité au côté chaque jour, sorti 11h rivé midi 30, Impression. C'est une émission 90 minutes, côté ou même auditeur, n'importe côté sous la terre, ou capable de briller pour bailler impression sur yon sujet, yon thème qui a fait voix nation arriver bon côté autorité. Yon dossier qui a dominé l'actualité. La Radio Pacifique n'a pas de tribunal. C'est impression ou même auditeur qui compte. Réli pour bail impression, 46 13 10 10, 44 08 10 10. Semi-co libre, sans discrimination, sans contrainte animataire. Radio Pacifique, voix qui bon côté là, dans une autre radio pour un autre pays. Radio Pacifique, qui n'a nous branché, écouté et puis tendu. Pacifique FM. Port-au-Prince, Jérémy, Okaï, Cap-Haïtien. Plateau Central, Latimouni, Podépé, Fort Liberté. Pacifique FM. NIP, Jacmel et puis dans la diaspora, à même passion. Radio Pacifique FM. Notre passion. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule, la vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. À 8h et 38 minutes, rendons-nous à l'étranger. À présent, nombre record de cas hebdomadaires dans le monde, pas moins de morts. Nous parlons de COVID-19. Un record de 2 millions de cas de COVID-19 ont été enregistrés la semaine dernière, tandis que le nombre de décès a diminué de 10% selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. À l'exception de l'Afrique, toutes les régions ont fait état d'une augmentation des cas du 14 au 20 septembre. Globalement, plus de 30,6 millions de cas et 950 000 décès ont été signalés à l'OMS depuis une parution de la maladie fin décembre en Chine. Du 14 au 20 septembre, il y a eu près de 2 millions de nouveaux cas de COVID-19, ce qui représente une augmentation de 6% par rapport à la semaine précédente. Le plus grand nombre de cas signalés en une seule semaine depuis le début de la pandémie. Au cours de la même période, le nombre de décès a diminué de 10%, soit 37 700 décès ayant été signalés, a détaillé l'OMS dans son bulletin hebdomadaire publié dans la nuit de lundi à mardi. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées. La région Europe de l'OMS a connu la plus forte augmentation des décès au cours de la semaine écoulée, plus 27% par rapport à la semaine précédente. Le continent américain, représentant plus de 38% de tous les nouveaux cas signalés au cours de la semaine dernière, reste le plus touché selon le tableau compilé par l'OMS. La région a toutefois signalé une diminution des décès de 22%. Alors que la région de l'Asie du Sud-Est, qui représente 35% des nouveaux cas signalés au cours de la semaine passée, a dépassé la barre de 100 000 morts depuis le début de la pandémie, avec 9 000 nouveaux morts au cours de la semaine dernière. Mais la région de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental ont toutes deux signalé une légère augmentation des cas et des décès signalés au cours des trois dernières semaines. Enfin, en Afrique, l'épidémie continue de ralentir avec des baisses de 12% des cas et de 16% de décès. Et puis, il faut dire que Donald Trump ne parlera plus jamais aux Américains en cas de victoire de Joe Biden, Jack. C'est déclaration. Dans les déclarations et Donald Trump, lors d'un discours de campagne, le président des États-Unis a prévenu ses partisans qu'il ne le reverrait plus jamais, si jamais son adversaire démocrate remporterait l'élection présidentielle le 3 novembre prochain, en déplacement à Fayetteville, Caroline du Nord, samedi 19 septembre, pour prononcer un discours dans le cadre de la campagne présidentielle américaine. Donald Trump a indiqué que les Américains ne le verraient plus jamais en cas de défaite face au candidat démocrate Joe Biden. Si je perds face à lui, je ne sais pas ce que je ferai.
Je ne vous parlerai plus jamais, vous ne me verrez plus jamais, a lancé le président des États-Unis devant à une foule en délire de supporters portant des masques et des casquettes avec le slogan MAGA. MAGA means Make America Great Again. Et puis, Joe Biden qui approuve son message n'a pas tardé à faire réagir Joe Biden, qui a partagé le passage et du discours du président sur son compte Twitter en le commentant ainsi. Je suis Joe Biden et j'approuve ce message. Et c'est une petite partie des déclarations de Donald Trump. En 2016, déjà, Donald Trump avait affirmé à ses partisans qu'il ne le reverrait pas s'il devait s'incliner devant son adversaire d'alors. Là, je parlais d'Hillary Clinton. Je ne pense pas que vous me reverrez. Je pense que j'irai chez Thornbury, complexe de luxe, et je jouerai au golf, rappelle le journal CNews. Et puis, en ce qui a trait avec la déclaration de Donald Trump qui veut remplacer la juge est décédée. Le mardi 3 novembre, les Américains éliront leur prochain président après une campagne totalement inédite à cause de la crise sanitaire. Ils auront le choix de réélire, comme vous le savez, Donald Trump pour 4 ans supplémentaires ou d'élire l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden. Sondage, déclaration, anecdote, eh bien, une situation est compliquée et difficile. À l'inverse de Donald Trump, eh bien, Joe Biden, candidat démocrate, appelle le Sénat à ne pas nommer un nouveau juge à la Cour suprême pour remplacer Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi soir d'un cancer du pancréas. La volonté du président Donald Trump de remplacer la juge Ruth Bader Ginsburg est juste un exercice de pouvoir politique brutal, a-t-il ajouté lors d'une intervention depuis Philadelphie. Le président a déjà été très clair. C'est une affaire de pouvoir, purement et simplement de pouvoir, a-t-il encore asséné. Samedi, Donald Trump a appelé le Sénat à majorité républicaine à entamer le processus de nomination sans délai. Le président américain devrait annoncer son choix qui sera probablement, selon ses dires, une femme dans la semaine prochaine. Et on attend de voir vraiment le choix de Donald Trump. Et puis, une situation compliquée par rapport à ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique au moment où nous parlons. Dans peu de temps, nous allons ouvrir le billet de Jacques, mais juste avant d'ouvrir le billet de Jacques, on va parler de l'ONU qui a miné par les rivalités, la meilleure constat entre eux. Emmanuel Macron, on va se rendre en Turquie ce matin. Des représentants des factions rivales palestiniennes Hamas et Fatah se rencontrent à Istanbul en Turquie. Une tentative de rapprochement une semaine après un accord entre Israël et deux États arabes du Golfe. Nouvelle tentative de réconciliation pour les dirigeants palestiniens, des représentants des deux factions rivales, le Fatah et le Hamas, ont débuté ce mardi à Istanbul des pourparlers directs. Cette initiative intervient une semaine après la signature à Washington d'accords normalisant les relations d'Israël avec les Émirats arabes unis et Bahreïn. Une trahison aux yeux des Palestiniens. Il faut dire que les négociations qui débutent en Turquie sont les premières du genre depuis 3 ans. Le conflit entre le Fatah et le Hamas remonte à une quinzaine d'années. Une guerre civile palestinienne a déchiré la bande de Gaza après que les islamistes du Hamas ont pris le contrôle de l'enclave jusqu'alors aux mains du Fatah. Olivier, on va ouvrir le billet de Jacques. Pour couronner le journal Pacifique Matin, l'éditorialiste Jacques Ambroise donne le ton en vous présentant son billet à compter de 8h50. 10 minutes de réflexion, d'analyse face aux différents problèmes d'ordre socio-politique. Le billet de Jacques Ambroise, un rendez-vous à ne pas manquer. Le billet de Jacques Ambroise. Jouette à filo. Béa, 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 béa.
Nabri. Plantation a fait créer Blackberry. Nous même nous là, c'est Black Nabai Souli. Si vous voulez sauver, oui, oui. Madame Wamala, oui, oui. Vous êtes qui est moi, oui, oui. Quoi c'est chanté, oui, oui. Je t'aime appeler, oui, oui. Quand, 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 oui, oui. Quand, 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 oui, oui. Passez par ici et moi. Qui est bois, mais quoi c'est chanté? Je t'aime appeler, grand, 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 passer par ici et moi. J'habite à Pétionville et toi cité soleil. Oussa yo ye, en Balakai. Mon père est bourgeois et toi ta mère elle est pauvre. Oussa yo ye, en Balakai. Qui ça s'en régler? En Balakai. Qui ça s'en transformer? En Balakai. Qui ça haïtienne le bon moment? Est-ce que nous avons un bon moment? Est-ce que nous avons un bon moment? Est-ce que c'est bon moment? Est-ce qu'il est passé déjà? Est-ce qu'il a venu? Et bien, réponse à la question, ça va aussi avec Jacques. Dans quelques secondes, Jacques, bonjour à toi et puis bon billet. Merci, Zanger. Je suis diaspora et toi t'as pas un visa. Qui ça s'a réglé? Qui ça s'a transformé? Qui ça s'a géré? Qui ça s'a fait progresser? Jouer la comédie, la blague, pays à Valentine, la blague. Nous comptons, nous rentrer la caillou pour nous capables de présenter le deuxième billet pour ce maintenant. On dit que le bon moment. Pas y'a aucun peuple qui est libre, s'il n'y a pas gagné, il y a presse qui est libre. Et je dis, dans le pays, la situation vient de plus en plus compliquée. Parce que nous gagnons une liberté qui aller bien loin par rapport à prise de position. Mais pas gagner une canalisation réelle de qui ça n'a pas fait, comment n'a pas fait. Et là, on parle de la presse. En plus, fois, on voit c'est seulement journaliste qui a des nouvelles. Mais on est qui écrivait, qui a écrit livre. C'est le monde qui fait partie, qui jouit, qui bénéficie également et ça n'a qu'à la liberté la presse en tout. Dans la mesure où écrire, c'est bâiller sa capacité dans la société, c'est mettre et en quelque sorte quelques scénarios qui permettent que réflexion monde aller plus loin sur ça qui doit encourager
ou bien sous ça qui problème que nous t'a doué et mettez de côté. Parce que en pile fois qu'on gagne des plumes empoisonnées, qu'on gagne des micros empoisonnés, et ça veut dire des mondes qui c'est des diatribes, discours qui a soulevé monde cap attiser la haine sociale. Qu'on gagne ça dans la société. Et nous-mêmes en Haïti, nous vivons ça. Et c'est ça qui fait nous aimer la société nous en campéa, c'est ou bien bon ou bien pas bon. Sous pas bon, même si me fait tout ça qui bon, ou pas bien dit que me fait rien qui bon. Mais sous bon, quelqu'un soit ça me fait ou a toujours joindre façon pour capable défendre moi. Ça veut dire que nous pas partisans la vérité, nous pas partisans ça qui clair pour qui t'a permettre nous fonctionner, pour qui t'a permettre nous et mettre pays à sous rail tout bon fruit. Joseph nous dit le bon moment est venu. Pour qui ça nous dit le bon moment est venu? Il y a des gens qui disent que d'un fait sujet, pour qui ça sujet ça? Et ça fait nous parler de bon moment. Et nous sortons des conformes danger et qui disent est-ce que Jean-Pierre est là, nous qu'a parlé de bon moment parce que bagaille est difficile, est terrible. Mais c'est Winston Churchill qui te dit tout autant que situation plus compliquée, les causes perdues, c'est pour ça qu'il y a un avocat, c'est pour ça qu'il y a un politicien, c'est pour ça qu'il y a un journaliste, c'est parce que il y a une situation qui est terrible, il y a une situation qui est difficile et puis laisse ça. Faut qu'on ait des mondes qui osent manier problème yo, pas contourner yo non, mais manier yo, venir avec des idées claires pour qui permettent que nous comprenne, pour qui permettent que nous capables analyser et sortir dans tout côté que nous y est. Pour qui ça bon moment venir? Gon dit ton haïtien qui dit depuis qu'il est coucou, t'es bien frisé comme ça pour le faire petit li, pour le renel frisé lia. Je dis à nous ouais que blanc américain à travers ambassade yo pi présent, yo paraît facio clair. Yo t'es toujours présent oui. Yo t'es toujours là oui. Parce que depuis après 1915 c'est yo qui toujours fait la loi en dans pays. Ça yo voulait c'est lik pour passer avec quelques moun bouisite qui toujours voulait marcher dans dynamique yo. Parce que en pleine fois et tout comme nous et en transit dans pays a mais grand pile moun qui croit c'est pas force et ponyet yo qui capable et permettre yo rive servir société à tout bon vrai. Mais nous toujours attendre que l'extérieur que blanc et gens ça depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui tout monde toujours gagner monde bon côté yo parce que si bon côté ça marche plus bien et proverbe français ça à bon mentir qui vient de loin. Ça veut dire l'on sorti bien loin ou vinn bay menti c'est ou t'a allé c'est ou t'es ouais ou raconter toute histoire. Mais je dis ya avec développement technologie yo li difficile pour raconter moun toute histoire parce que tout moun au courant de tout ça qui a passé et nan on temps record bien vite ou capable faire recherche qu'ou vle. Et c'est ça qui a goumen en dan pays ya. Grand pile monde qui confond et année 60, année 50, année 70 à année 2000, 2020. Yo différent net aller. Yo différent pour une grande raison. Peut-être gen moun ka di nan année sa yo bagala te pi bon. Te pi bon à qui niveau? Parce que
nous toujours à parler de perles des Antilles. Haïti pas jamais perles des Antilles. Et Saint-Domingue te perles des Antilles pour Français, pour colons. Parce que yo te gon paquet bœuf boué, yo te gon paquet bourik, y a fait travail pendant que yo même yo chita, yo dans toute l'oisiveté yo, yo pas te vinn travail pour développement pays ya, parce que c'est en transit yo te yé. Pays qui pays chef d'entreprise tant qu'ouvrier tout travail. C'est vrai que yo pas fait même travail. Yo pas gagne même récompense, mais tout travail et yo travail dû. Pour permettre que yo augmente chiffre d'affaires, yo augmente capital yo. Mais bon, ici, étant donné que magouille, corruption, c'est toujours faire de lance nous, ben, nous toujours clair que même si nous pas travail, à faire n'a régler, pas de problème, pas de danger, n'a avancer. Nous dit, c'est bon moment, parce que coucou pas qu'à bien friser comme ça, pour lire les petites frises, il y a, et je n'ouè, et américain campé et derrière pouvoir. Je dis élection tête droite. Mais ça pour nous faire, c'est moment pour nous chita, pour nous garder, pour nous dire, ça moun vle pour nous, est-ce que c'est l'in vle? Développement toujours endogène, c'est nous. Et nous fait trop de temps à coûter ça moun din, tant que c'est parole yo qui vérité. Et puis nous pas jom chita pour nous poser parole pan. L'île a l'étant pour nous capables de poser problème réel en d'un pays. Pour nous chercher unité qu'il faut. Et si nous allons dans la dynamique, dans la logique que nous avons là aujourd'hui, nous ben la vie plus mal. Parce que nous pas chita entendre nous sous un yen. Je dis à li fondamental, si nous voulons faire pas quitter, si nous voulons avancer, faut que nous chita pour nous entendre, pour nous poser tête nous une grande question qui pays nous voulons construire. Et puis, comment n'a pas le construire? Ça n'a pas le quitter pour ti moun yo. Parce que Jean Bagala fait nous camper deux camps, nous dit élection tête droite. Moun di sera seta pa gen élection kap fèt. Logique ça son logique qui suicidaire. Son logique son et guerre fratricide, frère kap goumen avec frère. Nous fè ça pendant presque 200 ans ou bien plus passé 200 ans en dan pays a. Li pa mené nou ken côté parce que là n'a tiré conclusion même sous tant de moun a frappé l'estomac que dans pays a pour dire grand nèg yo travaille pendant 50 ans yo travaille pendant 60 ans mais nous sommes tous inquiétés. C'est vrai que nèg ta ka dit il travaille pendant 50 60 ans jodi a faut t'arrive en côté puis dit pour prendre retraite li qu'elle poser parce qu'elle gagne et tant qu'on nous qu'on dit et bourik fait petite c'est pour dol poser mais de pas poser. Mais de pas poser, c'est pas ça, non, qui problème. Inquiétude, gangrène, puis jour et puis red chaque jour. Chaos social, c'est l'inab vive. Et que nous pas qu'à sortir et non, et situation et mangomain que nous y a. Parce que tant que mon camarade qui t'en demi chaque matin, et puis qui dit là, pendant qu'on a parlé de perles des Antilles pour les colons, mais c'était l'enfer des Antilles pour les Haïtiens. Jusqu'à journée, je dis, c'est vrai. C'est bien dit. C'est bien conclu. Mais nous pensons que c'est le moment hein, pour nous dire que nous pas cavler bien pour nous. Pour nous chita, pour nous garder tête droite. Ça veut dire pour voir là qui mettait l'élection tête. Non! C'est pas bon route là. C'est vrai que, et, par exemple, dans le conseil électoral qui là, et moi-même, j'ai un gros problème. Parce que, pas gros consensus qui joue. Parce que pour nous faire élection, pour nous dire que nous n'avons pas le fond de l'autre pays, par rapport à toute crise que nous passons, il nous faut un consensus. Il nous faut un compromis. Il faut que nous ayons un côté pour nous chita, pour nous dire, mais qui qualité pays, mais qui ça ne va le faire. Mais, gagner en vérité que le président Jovenel Moïse permet de nous découvrir. Nous avons réfléchi. Institution qui qu'on a frappé l'estomac pour dire au pifon dans pays yo pas pifon
Parce que l'on plus fort en don pays, gagner des bagages qu'on pas d'accord, parce que sorti voyou pour dire pas d'accord, et président continuer, et puis, hey, si Marie va monter, si Marie va descendre. C'est là pour nous chita, pour nous poser peut-être nos questions. Je ne dépense une fois, nous pas faux vrai. Je ne pense que c'est nous te mettre question, nous pas mettre question en vrai. Deuxième bagage qui gagne par rapport à ça qu'a fait là, et me tirer dans le conseil électoral ça. C'est vrai dans l'époque que tu as baillé secteur pour couvrir les gens dans le conseil électoral. Tu as baillé un secteur. Tu as baillé un secteur d'institutions qui te paraît institutions qui sont solides. Mais le temps montre que le résultat, ce n'est pas ça qui est correct. Et parce que l'on n'a pas parlé de pays, nous n'avons pas trop causé, trop parole pour nous dire, pour nous frapper l'estomac. Mais quand même, grand choix qui fait. Et dans le choix, par exemple, pour dire la jeunesse capable de représenter. Mais maintenant, d'après d'accord, son grand bagage. Jeunesse, c'est lui qui a le plus gros pourcentage dans la société. Et jeune garçon, jeune femme, c'est force motrice, force réelle qui a 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ans dans le pays. Dans n'importe quel pays, dans n'importe pays qui a fait développement, c'est tout ça que vous visez. Parce que c'est yo qui a de véritable moteur en dans et yo économie en dans yo société. Mais après une fois pas gè mot pou di et bon Dieu celle qui connaît comment couche moun sa yo kon gagne en pile l'idée novatrice. Et attention, c'est parce que nou gon système éducatif qui défaillant qui fait que même si nous soi-disant que n'a formé moun nous pas quoi dans yo parce que nous connaît nous ba en formation pachiment nous ba en formation et c'est pourquoi il y a cette banalisation systématique et en dans pays a pour l'école qui fait que a fait changement pour société a c'est kay voisin n'a pour ça c'est l'autre bolan mais n'a attendé ça. Jodian pense que moment vini pour nous dire c'est nous haïtiens tout bon vrai pour qu'ils mettent tête nous ensemble pour nous créer conditions pour nous sortir pays là dans situation mal cité dans situation mal pour autre que n'y est là journée jodia parce que effectivement nous c'est l'enfer des Antilles janouier. C'est ton plaisir pour nous d'avoir d'abord rendez-vous pour demain et puis vive Haïti à venir qu'on y a. Bonjour tout le monde. Je suis Grimbo et toi t'es Blacko. Matin, midi, soir, j'écoute une seule fréquence. 105 Pacifique FM. Red branché. N'a pas tourné tal. Moi pas la toilette, mais mes papiers, on s'y est mort. Papier glory, hey, mwen fin manje, mwen brise papier pou m'siye bouche mwen. Mande glory, napkin glory, mwen sou bezwen pou papier, page la, yon pou papier hygienique. Papier glory, papier de qualité, page la, yon pou papier pou santé. Papier glory, hey, ou reme hygiène, ou reme santé, ou baka pa servi. Ap glory, li nan tout boutique, nan tout map machin, na vel ya pache. Ap glory, mais oui, nou même qui sont qui sont si pou famille nous pas capable servir à glory. Papier toilette là, napkin pour table là, c'est santé caille là. Glory c'est nombre mon affaire hygiène. Il fait mix tout, il va yo no. Sié, wop, joy, glace, luxe, tout uni, gold. Servir à papier glory,